Bienvenue sur FR Delinet. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de « Ici, tout commence », spoilé, preview de l'épisode 148 du 26 mai 2021, Tessier et l'inamant à Mehdi. Mehdi est en détresse respiratoire. En début de journée, Emmanuel est de nouveau devant le même dilemme et se confie à Constance. Mehdi a fini son dessert et lui a demandé de venir le goûter. Tessier craint que Mehdi ne se soit emballé trop vite, convaincu qu'une pâtisserie signature ne s'invente pas en une nuit. Constance essaie de convaincre son mari que la meilleure chose à faire pour aider Mehdi est de lui mentir, sinon son protocole ne marchera pas. Elle pense que Mehdi pourra toujours finir son dessert signature une fois qu'il sera en rémission. Mais Tessier se dit que si sa maladie à lui, la sclérose en plaques, devait s'aggraver et qu'il devait mourir dans quelques jours, il n'aimerait pas partir sur un mensonge. Emmanuel estime que Mehdi mérite de connaître la vérité même, si elle est difficile à entendre. Après avoir passé la nuit à travailler sur la version finale de son dessert signature, Mehdi le présente au chef Tessier lorsqu'il fait subitement un malaise. Mehdi est en détresse respiratoire. Hortense demande à Tessier d'appeler une ambulance. Le docteur Delcourt se rend au chevet de Mehdi hospitalisé. Elle ne veut prendre aucun risque, surtout qu'il a passé deux nuits blanches à travailler sur son dessert et qu'il souffre des effets secondaires de sa chimiothérapie. Le docteur Delcourt veut le garder en observation pour lui faire passer des examens complémentaires. Mehdi lui veut rentrer à l'institut pour connaître l'avis de Tessier sur son dessert, mais Lina ne lui laisse pas le choix. Mehdi cherche à joindre Tessier pour connaître son avis mais en vain. Après s'être assuré que Mehdi se sentait mieux, Hortense le fait sortir en douce de l'hôpital pour aller à la rencontre de Tessier à l'institut. Affolée, Lina prévient le directeur lorsque Mehdi rentre justement dans son bureau en compagnie d'Hortense. Tessier ment à son élève et prétend qu'il a réussi à créer son dessert signature. Puis, il lui serre la main et lui dit qu'il est un grand pâtissier. Mehdi est heureux et annonce à Maxime avoir réussi à créer sa pâtisserie signature. Ce dernier propose de faire une petite fête entre amis pour fêter la bonne nouvelle. Hortense se rend à l'Economa pour prendre des bouteilles de champagne. Elle surprend une conversation entre Lina et Tessier. Elle s'insurge et se demande comment Tessier a pu mentir à Mehdi en sachant à quel point c'est important pour lui. Lina essaie de faire comprendre à Hortense que Mehdi met sa vie en danger et la supplie de ne rien dire à son fils. Hortense refuse de mentir à celui qu'elle aime, mais en le voyant si heureux, elle ne peut se résoudre à lui dire la vérité. Le module de la chef Listrac se termine ce soir. Elle a pris beaucoup de plaisir à enseigner à l'Institut et avoue à Claire que non seulement cela lui aurait beaucoup plu de continuer, mais que travailler ici avec elle va particulièrement lui manquer. Claire retrouve Tessier pour lui suggérer de proposer un poste permanent à Olivia et bien qu'elle mette en avant que l'école doit évoluer, le directeur refuse. Claire explique par la suite la situation à Antoine et Rose, qui estiment que ce serait un vrai plus pour l'Institut d'avoir une chef vegan et qui est plus étoilée. Pour convaincre Tessier d'engager Olivia, Antoine et Claire démontrent à Emmanuel chiffre à l'appui que le Doubla, le restaurant d'application, perdait 20% de réservations s'il ne proposait pas d'alternative végétarienne ou vegan à la carte. Par ailleurs, ils insistent sur le fait que le chiffre d'affaires augmente de façon conséquente à chaque fois qu'un plat d'Olivia est à la carte, tout comme les commentaires positifs sur les réseaux sociaux. Convaincu, Tessier propose finalement à la chef Listrac un poste permanent. Olivia accepte avec plaisir. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Merci.